Le grand collisionneur de Hadron, ou LHC en anglais, est l'une des plus grandes machines jamais construites. Il a fallu des milliers de scientifiques et d'ingénieurs et des milliards de dollars. Lorsqu'il est en marche, il peut consommer autant d'énergie qu'une très grande ville. Ce qu'il fait, c'est accélérer des particules appelées protons à une vitesse se rapprochant de celle de la lumière, et ceux-ci voyagent autour d'une boucle souterraine de 27 km. En fait, il y a deux faisceaux de protons qui circulent en sens opposé que l'on peut faire croiser pour qu'ils entrent en collision. Soyons honnêtes, tout le monde aime faire percuter des objets. Mais si on prend en compte tout le temps et les efforts investis dans le LHC, il doit y avoir une bonne raison pour construire une telle machine. Et il y en a une. C'est juste qu'il faut du temps pour l'expliquer. Mais dès que vous comprendrez pourquoi cette machine géante a été construite, il y a de bonnes chances que vous comprendrez quelque chose de très profond à propos de ceci. Notre monde au quotidien. Et plus précisément, à propos des constituants fondamentaux de notre monde au quotidien et de la manière dont ils sont retenus ensemble. Et par monde au quotidien, j'entends pas seulement ce qu'on voit autour de nous, mais tout ce qu'il y a dans l'univers. Et pas seulement l'univers en ce moment, mais l'univers depuis le début des temps. C'est un gros travail qui concerne surtout les personnes suivantes, les physiciens des particules. Les voilà dans leur habitat naturel. La petite taille des choses qu'ils tentent de découvrir et de comprendre, soit les particules constituant notre univers, est proportionnelle à celle du grand collisionneur de Hadron par rapport à toute notre galaxie, la Voie lactée. C'est infiniment petit, au point où c'est incroyable que nous puissions savoir quoi que ce soit à propos de ces particules. Mais nous savons certaines choses. Au moyen d'expériences et de la construction de modèles théoriques, les physiciens ont découvert quels types de particules existent et comment elles interagissent entre elles. C'est un processus qui ne finit jamais. Les découvertes donnent lieu à des modèles révisés qui, eux, suscitent de nouvelles expériences. Lorsqu'on est enfant, on apprend que le monde est constitué d'atomes. Un atome est un genre de particule, un constituant de la matière. On vous dit de les visualiser comme un système de balles. Plus tard, on apprend qu'il existe plus de 100 différents types d'atomes pouvant être organisés dans un tableau périodique des éléments. Mais il s'avère que les atomes ne sont pas les constituants de base de tout notre univers. Il y a très longtemps, des expériences ont montré qu'il y avait des particules appelées électrons à l'intérieur de l'atome. Et si les électrons forment qu'une partie de l'atome, en quoi consiste l'autre? Et comment les deux parties vont-elles ensemble? Pour trouver une réponse à cette question, il a fallu créer un modèle. Lorsqu'on parle de construire un modèle, c'est quelque chose que les physiciens font depuis des siècles. Ils observent le monde, ils mesurent et ils tentent de trouver un pattern et une description mathématique. Une image de ce qui se passe pouvant expliquer les résultats obtenus et prédire les résultats d'autres scénarios pouvant être mis à l'essai. Les scientifiques ont proposé ceci. Une brioche aux raisins secs. Les raisins secs étaient les électrons à charge négative et la brioche, la charge positive qui compensait la charge négative des électrons pour que l'atome reste neutre. Pas une mauvaise idée compte tenu des connaissances à l'époque. Mais de nos jours, les atomes ne sont pas représentés par des brioches aux raisins secs et on peut remercier cet homme pour cela. Le modèle de la brioche aux raisins secs de l'atome est exactement ce que Ernest Rutherford mettait à l'essai lorsqu'il a conçu une expérience ayant mené à l'une des plus grandes découvertes en physique des particules. Voici ce qu'il a fait. Rutherford a commencé avec des matériaux radioactifs qui émettraient des particules ayant une charge positive appelée particules alpha. Ensuite, il a choisi une cible, une feuille d'or très fine qu'il a positionnée de manière à ce que les particules alpha la frappent. Puis, pour détecter ce qui se passait avec ces particules après qu'elles avaient frappé la feuille d'or, il a entouré le tout d'un écran recouvert d'une substance chimique qui produirait une lumière lorsqu'une particule alpha le frapperait. Voici ce qu'il a observé. Presque toutes les particules ont passé à travers la feuille d'or et frappé l'écran de l'autre côté. Un faible taux de particules ont été légèrement déviés d'un côté ou de l'autre. Mais la grande surprise était lorsque quelques-unes des particules ont rebondi vers l'arrière comme si elles avaient frappé quelque chose de dur et fixe. Le modèle de la brioche aux raisins secs n'aurait pas prédit ce dernier résultat. Mais quel modèle l'aurait prédit? Si vous prenez un objet, que vous connaissez son énergie, qu'il se déplace à la vitesse de la lumière et qu'il rebondit, vous pouvez obtenir une estimation classique de la force que cet atome devra appliquer.
Si l'échelle des longueurs de ce transfert d'énergie est beaucoup plus petite que l'atome lui-même, c'est là qu'on se dit « Aha! L'atome n'est pas une boule de billard. Il doit exister une certaine structure qui est beaucoup plus petite que l'atome. » Voilà comment il en est arrivé à ce modèle. Son idée était qu'un noyau beaucoup plus petit devait exister. Au fil du temps, il a été prouvé que le noyau lui-même était constitué de très petites particules appelées neutrons et protons. En fait, ce modèle a réduit la collection d'environ 100 éléments à un modèle fondamental de seulement 3 particules. Il est facile d'oublier l'importance de cette découverte de Rutherford avec cette expérience. Pas seulement de sa découverte, mais aussi de sa technique qui consiste à faire entrer en collision les particules pour pénétrer à l'intérieur de la structure de la matière. Avant de continuer, il faut expliquer quelques concepts clés en physique. Lorsqu'on lance une balle en l'air, la balle interagit avec le champ gravitationnel de la Terre. À mesure que la balle monte, elle ralentit à cause de la force gravitationnelle qu'elle subit. Un physicien ou une physicienne dirait que l'énergie emmagasinée dans le mouvement de la balle est transférée dans le champ, puis revient dans le mouvement lorsque la balle redescend. Dans l'expérience de Rutherford, la particule alpha et le noyau d'or interagissaient dans le champ électrique entourant le noyau d'or. À mesure que la particule alpha se déplaçait directement vers le noyau d'or, elle a commencé à ralentir dans le champ électrique. L'énergie emmagasinée en mouvement est transférée dans le champ électrique, puis est revenue dans le mouvement lorsque la particule s'est dirigée dans la direction opposée. Lors d'une collision de particules, plus les particules ont d'énergie cinétique au départ, plus elles se rapprocheront. Dans l'histoire des expériences menées avec des collisionneurs de particules, les machines étaient de plus en plus grandes pour créer des collisions d'énergie de plus en plus fortes afin d'examiner la matière de plus en plus profondément. Lorsque les accélérateurs de particules ont pu concentrer de l'énergie dans un volume d'espace aussi microscopique, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. De nouvelles particules ont été créées. Je sais, cela pourrait sembler magique, mais à l'échelle des particules élémentaires, non seulement les règles de la physique le permettent, mais elles prédisent ce résultat. La règle de base est E égale mc au carré. Que ça veut dire, c'est que la masse et l'énergie peuvent être converties l'une dans l'autre, tout comme on peut convertir des livres sterling en dollars à un certain taux de change. Seulement, le taux de change entre l'énergie et la masse est c au carré, la vitesse de la lumière au carré. La masse et l'énergie sont deux aspects du même phénomène. On ne peut pas distinguer l'une par rapport à l'autre. Une façon d'interpréter cette formule consiste à considérer la masse comme une forme d'énergie. Par conséquent, si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez aussi créer de la masse, ou autrement dit, de la matière. Vous pouvez voir les particules apparaître soudainement dans le détecteur de particules d'un accélérateur. Par exemple, dans cette image d'un détecteur chambre à bulles, des traces ont été laissées dans le détecteur par le passage des particules chargées. Le détecteur a un champ magnétique, donc les particules virent à droite ou à gauche selon qu'elles ont une charge positive ou négative. Regardez de près ces deux traces en spirale qui sont apparues nulle part et virent en sens opposé. Ce que vous ne voyez pas, c'est le photon, ce paquet d'énergie qui passait dans la chambre à bulles lorsque soudainement, il s'est transformé en ces deux nouvelles particules. Cette trace virant à gauche est un électron portant une charge négative. Mais celle-ci, qui vire dans l'autre sens, s'avère être une antiparticule de l'électron appelé un positron. Un antiparticule ayant la même masse, mais la charge opposée. Lorsqu'il y a collision entre des choses ayant beaucoup d'énergie, typiquement, il y a beaucoup de particules produisant des paires de nouveaux types de particules de manière continue, particules et antiparticules, pendant aussi longtemps qu'il y a de l'énergie suffisante pour produire leur masse. Donc, E égale mc au carré. Dans toutes ces collisions, les choses qu'on voit apparaître n'étaient pas là au début. On obtient des échantillons de toutes les particules pouvant être produites compte tenu de l'énergie accessible. C'est donc plus efficace. Pas besoin de choisir la chose initiale avec soin pour avoir les bons ingrédients. Il suffit d'avoir des collisions de choses à des quantités d'énergie suffisantes. Quelle quantité d'énergie faut-il pour créer une particule? À peu près ça. Très peu. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité d'énergie que vous pouvez créer, mais bien de quantité que vous pouvez entrer dans un très petit espace. Quand les accélérateurs de particules ont commencé à fonctionner à des niveaux d'énergie élevés, toutes sortes de nouvelles particules sont apparues dans les détecteurs. Ce n'étaient pas des particules de base de la matière, mais plutôt des particules massives apparaissant soudainement
et se désintégrant rapidement. En quelques décennies, le nombre de particules élémentaires retrouvées dans l'atome est passé de 3 à une multitude. Les physiciens parlaient du zoo des particules et ils voulaient trouver un modèle pouvant l'expliquer. Au cours des années 50 et 60, les physiciens des particules ont fait la découverte de nouvelles particules à un rythme accéléré. Ils ne savaient pas s'il existait un principe d'organisation servant à regrouper toutes ces particules ou si chaque nouvelle particule était une entité séparée, avec ses propres propriétés et non reliée au reste des particules. Lorsque les physiciens développent un modèle, ils cherchent un pattern pour expliquer les phénomènes observés dans leurs expériences. Dans le monde au quotidien, on est très bon pour détecter des patterns. Mais certains patterns sont plus complexes que d'autres. Voici ce que je veux dire. Vous connaissez ces visualisateurs de musique que vous pouvez trouver sur des lecteurs de musique numérique? Ceux qui utilisent les informations provenant de la chanson pour altérer et transformer la forme de l'animation. Le résultat est une animation complexe, mais rythmique et magnifique. Maintenant, imaginez que vous vivez dans un monde de visualisateurs de musique, mais que vous n'entendez pas la musique. Même s'il semble magnifique, il serait difficile de comprendre pourquoi votre monde présente l'aspect qu'il a. Mais si vous êtes curieux de nature, vous pourriez, en observant attentivement, commencer à trouver des patterns dans ce que vous voyez. Et si vous avez des pensées créatives, vous pourriez même reconstruire la musique de base. En développant un modèle, vous découvrirez des choses appelées notes de musique qui ont été combinées de différentes manières pour créer votre monde. Le zoo des particules a présenté un problème similaire. Quel était le pattern reliant toutes ces particules ensemble? Les physiciens ont fini par découvrir un pattern en regroupant les particules selon certaines caractéristiques. Le pattern a révélé que la plupart de ces particules n'étaient pas des particules élémentaires. Elles étaient constituées d'une combinaison de particules élémentaires appelées quarks. Il y a 6 quarks en tout, 12 si on inclut leurs antiparticules. Les quarks up et down sont très importants pour nous car ils sont les constituants des protons et neutrons que nous trouvons dans le monde au quotidien. Chaque proton ou neutron est formé d'un groupe de 3 quarks. 2 quarks up et 1 quark down forment un proton. 2 quarks down et 1 quark up constituent un neutron. Même si les quarks semblaient résoudre l'énigme du zoo des particules, les physiciens en avaient une nouvelle. Comment ces quarks font-ils pour rester reliés ensemble comme ils le font? Pour trouver une solution, il fallait trouver une nouvelle force fondamentale de la nature appelée force forte. La force forte est une force fondamentale comme la force électromagnétique, mais elle agit très différemment. Un quark peut porter une des 3 charges identifiées à l'aide des couleurs rouge, vert et bleu. Combinez-les ensemble et vous obtenez une particule incolore. Même si la force électromagnétique s'affaiblit plus on s'éloigne de la charge, la force forte est plus faible près de la particule et devient plus forte plus elle s'en éloigne. Maintenant, pensez-y un peu. En notant que les quarks sont rapprochés, ils sont reliés lâchement. Mais dès qu'ils tentent de se séparer, une force croissante s'exerce et garde les quarks confinés. C'est un peu comme une laisse élastique qui tire vers l'arrière plus on la déroule. Il est donc pratiquement impossible de séparer les quarks les uns des autres. Ce qu'on appelle un proton ou un neutron est en fait une aire minuscule où un groupe de quarks est confiné par la force forte. Ce noyau découvert par Rutherford il y a très longtemps est en fait une masse de quarks retenue en groupe de 3 par la force forte. On les appelle des protons et des neutrons. Et autour d'eux, qui sont retenus moins solidement, on voit des nuages d'électrons. Mais le modèle complet de la physique des particules comprend plus que l'atome. Il doit inclure toutes les particules existant dans l'univers. Le modèle actuel de la physique des particules s'appelle modèle standard. Il décrit toutes les particules élémentaires que nous connaissons et les forces qui les retiennent ensemble. C'est un des modèles les mieux réussis jamais vus. Il peut faire des prédictions ultra précises à propos des particules. Si on prend les particules qu'on connaît et qu'on se demande quelle est la manière la plus générale selon laquelle elles peuvent interagir à faible énergie selon la mécanique quantique et la relativité générale, on obtient le modèle standard. Je vais donner une brève description pour couvrir certaines des particules mentionnées jusqu'à présent.
D'abord, il y a les particules constituant la matière courante. L'électron, le neutrino et les quarks up et down. Puis, il y a ce qu'on appelle les deuxième et troisième générations de ces particules, qui sont plus massives et instables, mais autrement identiques à leurs cousins plus légers. Dans le modèle standard, il y a aussi les particules associées à chaque type de force. Ces particules de force, appelées bosons, contiennent l'information d'une force précise. Par exemple, le photon contient l'information à propos de la force électromagnétique, le gluon pour la force forte, et les particules W et Z pour une autre force appelée la force faible. Voilà donc les particules formant notre univers qui ont été détectées dans les accélérateurs de particules jusqu'à présent. Maintenant, c'est une chose de dresser une liste de particules, mais en physique, un modèle complet doit décrire le rapport qui existe entre tous ces éléments. Pour un modèle donné, modèle voulant dire une description du fonctionnement du monde, il existe un ensemble d'équations. Et des choses comme les particules, les interactions des particules et les forces. Tous ces concepts se trouvent dans les équations. Pour un physicien, le modèle ressemblera plutôt à ceci. À des équations mathématiques qui expliquent clairement le rapport existant entre toutes ces particules. Maintenant, en regardant plus près, on remarque un terme ici. Laissez-moi le trouver. Le voici. Le H. Le H correspond à une particule appelée boson de Higgs. Il a fallu des décennies et des milliards de dollars pour faire cette découverte. Alors comment les physiciens et physiciennes pouvaient-ils être si sûrs de son existence? Pour une chose, le modèle standard ne fonctionne pas sans cette particule. Imaginez que vous êtes debout dans le métro et qu'il y a un arrêt soudain. Oui, vous continuez à vous déplacer vers l'avant. Cette propriété de la matière s'appelle l'inertie. L'inertie correspond à la résistance à tout changement de mouvement et tient à la propriété de la matière appelée masse. Les objets en mouvement ont de l'inertie en raison de leur masse. La plupart de la masse dans la matière courante provient de l'énergie servant à retenir les particules élémentaires ensemble. C'est encore E égale mc au carré. Mais les particules élémentaires peuvent aussi avoir une masse propre à elles. Le modèle standard doit expliquer où les particules élémentaires obtiennent leur masse. Ça, c'est le rôle du Higgs. Voici comment ça fonctionne. D'abord, le boson de Higgs est associé à un champ de force, et le champ de Higgs est le concept très important ici. Le champ de Higgs remplit l'univers entier. Il est partout. On ne peut pas s'en défaire. C'est comme un brouillard gluant qui couvre tout. Puisqu'il se trouve partout, chaque particule doit le traverser et la plupart des particules interagissent avec lui. Lorsqu'une particule se déplaçant dans le champ tente d'accélérer, elle éprouve une résistance. L'idée, c'est que les particules sont dépourvues d'une masse propre à elles. Pour en avoir une, elles doivent interagir avec le champ de Higgs. La résistance que le champ de Higgs doit exercer dépend de la particule en question. Si vous êtes une particule comme un électron, vous interagissez avec le champ de Higgs et éprouvez une résistance chaque fois que vous tentez d'accélérer. Par contre, si vous êtes un photon, vous traversez le champ de Higgs sans interagir avec lui. Vous êtes sans masse et vous vous déplacez à la vitesse de la lumière. En retirant le Higgs du modèle standard, la prédiction serait que toutes les particules sont dépourvues de masse, comme les photons. Et ce n'est pas le cas. Puis, c'est une bonne chose, parce que notre monde serait très différent sans le champ de Higgs. Si vous regardez le monde autour de nous, nous savons que tous les atomes ont des protons et des neutrons. Chacun de ces protons et neutrons est constitué de trois quarks, mais des quarks différents. Et le champ de Higgs interagit avec ces différents quarks à des intensités différentes. Ce phénomène rend le neutron un peu plus lourd que le proton. Le fait que le mécanisme de Higgs rend le neutron un peu plus lourd vous permet d'avoir un proton stable, l'hydrogène stable. Le fait que la différence est minime vous permet d'établir tout le tableau périodique des éléments. Cela veut dire que nous pouvons avoir tous les matériaux ayant servi pour bâtir ce fauteuil, et le monde, la chimie et les étoiles. Chaque processus que nous connaissons et adorons et qui rend ce monde possible tient en grande partie à cette différence précise existant entre les masses du proton et du neutron. Pour démontrer l'existence du champ de Higgs, les physiciens et physiciennes avaient besoin du plus grand accélérateur de particules jamais conçu. Attendez, il en existe un? Puisque les champs sont associés à des particules messagères de la force appelées bosons,
Si vous détectez un boson en particulier, vous avez une preuve de l'existence de ce champ. Lorsque le grand collisionneur de Hadron a détecté le boson de Higgs, ce fut la preuve de l'existence du champ de Higgs. Le grand collisionneur a provoqué des collisions produisant 10 fois plus d'énergie que tout autre accélérateur avant lui. Le LHC. Sa capacité d'atteindre des intensités d'énergie très élevées dépend de plusieurs facteurs. Le premier, et nombre de personnes n'y pensent pas souvent, est le type de particules soumis aux collisions. Dans les collisions de protons, ils sont 2000 fois plus lourds qu'un électron, par exemple. On accélère les protons en faisant passer ces protons dans un champ électrique qui a été généré par des cavités accélératrices. C'est le même principe qu'un surfeur se faisant pousser par les vagues dans l'océan. Ces protons se font pousser par un champ électrique lorsqu'ils passent dans ces cavités accélératrices. Plus leur vitesse s'accélère, plus leur énergie cinétique s'accroît. C'est la grande taille de l'instrument combinée avec des aimants très puissants servant à courber les particules en forme de cercle pour qu'elles restent sur la bonne trajectoire. Les aimants quadrupolaires focalisent le faisceau vers le bas, le rendent aussi étroit que possible et rendent les particules aussi denses que possible. De cette manière, lorsqu'elles entrent en collision, on voit ces luminosités intenses qui produisent le plus grand nombre de collisions. Imaginez que les protons sont des bocaux à poissons et les quarks des glaçons qui se font brasser à l'intérieur. Ils volent l'un vers l'autre à grande vitesse. La plupart du temps, les bocaux se heurtaient violemment. Mais de temps à autre, deux des glaçons entraient aussi en collision. Dans le LHC, ce sont les collisions plus rares entre les quarks et les gluons qui maintiennent les quarks ensemble et produisent l'énergie intense requise pour créer un boson de Higgs. C'est une chose de créer un événement Higgs, mais il faut être capable de le voir se dérouler. Aucun accélérateur de particules n'est complet sans ses détecteurs. Notre détecteur est formé de différentes couches de capteurs. Chacun de ces capteurs est conçu pour mesurer la trajectoire, l'énergie et aussi les différents types de particules émergeant de cette collision frontale. Nous ne voyons pas directement le boson de Higgs, mais plutôt les différents types de particules provenant de sa désintégration. Le comportement de ces particules a permis aux physiciens et physiciennes de conclure à la présence d'un boson de Higgs. Voici le problème. On a des milliards et des milliards de particules en mouvement dans ce détecteur à chaque fraction de seconde, OK? Et vous devez numériser toute l'information qui représente leur trajectoire. OK? Vous devez numériser toute cette information, la cheminer aux ordinateurs, en jeter la majeure partie parce qu'au niveau brut, vous en avez bien au-delà de téraoctets par seconde volant dans les principaux processeurs qui se trouvent en fait dans les halles du collisionneur. L'information doit être réduite à un niveau plus facile à gérer. Vous pouvez alors utiliser une grille informatique pour reconstruire exactement ce qui se passe lors de ces événements. 1 milliard d'interactions par seconde implique beaucoup de données à trier. Même si les physiciens et physiciennes connaissaient l'effet qu'un phénomène Higgs produirait dans les détecteurs, il leur a fallu des années pour passer au crible tous ces phénomènes et recueillir suffisamment de données pour trouver ce qu'ils cherchaient. Toutes ces années d'efforts ont permis d'élaborer une composante essentielle du modèle standard. La découverte fut annoncée le 4 juillet 2012. Mais le LHC fait beaucoup plus que chercher une particule. Il nous permet d'étudier les plus petites particules connues et l'univers des intensités d'énergie très élevées. L'instrument permet de recréer des conditions qui n'ont pas existé depuis une fraction de seconde après le Big Bang. L'expérience nous montre qu'en explorant la matière en profondeur, il y a de bonnes chances qu'on découvrira toutes sortes de nouvelles choses. À quelle échelle le LHC sera important, on ne le sait pas encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il nous permet de répondre aux grandes questions de la physique des particules qui existent depuis 20 ans. Ce que j'aimerais voir, et c'est sur quoi je travaille, c'est la découverte d'une sous-structure aux quarks. Je recherche des quarks excités. Une telle découverte serait importante parce qu'elle nous permettrait de passer au prochain niveau, à quelque chose de plus petit qu'un quark, et on utiliserait des techniques développées il y a une centaine d'années, mais à des intensités d'énergie très élevées. J'espère qu'ils trouveront un candidat pour la matière noire, parce que c'est une des plus grandes énigmes à laquelle les cosmologistes font face. Où se trouve cette matière mystérieuse qui est dominante partout dans notre univers, mais nous ne savons pas ce que c'est? Donc, espérons que nous trouverons un candidat et que le LHC le verra. Ça sera une grande découverte à mon avis. Je pense et je le crois fermement que dans 20,
30, 50 ans d'ici, on parlera dans les manuels de physique de l'ère pré- et post-LHC en ce qui concerne nos connaissances et notre description de la nature. Je suis très curieuse de savoir comment la science fera le suivi de cette expérience. Jusqu'à quel point peut-on explorer les particules constituant notre monde au quotidien? Et quel type de modèles résulteront de ces découvertes? Ce que j'essaie de dire, c'est que même la présente époque de la science passera. Et on ira vers de nouvelles découvertes, de nouveaux modèles du monde, et ça, c'est très excitant.